sur le plateau de l'heure de la lecture. Et je vous remercie également de votre fidélité pour cette émission littéraire que je vous propose chaque trimestre. Je vais donc introduire la première rubrique, l'invité du jour. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Je suis très ravi de vous recevoir sur ce plateau de l'heure de la lecture. Êtes-vous prêt de passer une heure avec moi dans cette émission? Bien, merci beaucoup. Mais s'il y a quelqu'un qui aime la littérature, qui vit la littérature, qui respire la littérature, c'est Noël Ramata Kodia. Votre parcours universitaire est brillant. Docteur en littérature française de l'Université de Paris 4 Sorbonne, vous avez enseigné les littératures françaises, congolaises et francophones à l'École normale supérieure de Brazzaville. Essayiste, romancier, poète et critique littéraire, vous êtes l'auteur du premier dictionnaire des œuvres littéraires congolaises dans le domaine du roman. En ce qui concerne votre bibliographie, vous avez publié en 1978 « Les conjurés du 17 janvier 1961, La voix de Lumumba » aux éditions Héros dans l'ombre. Et en 2005, « Les enfants de la guerre », c'est un roman. Et l'Union africaine freine-t-elle l'unité des Africains, collectif sous la direction de Yves Amaïso aux éditions Menebuc. C'est un essai qui était sorti en 2005. Et « Mère et écriture » chez Tati Loutard, c'est un essai, édition Connaissance et Savoir, c'est sorti en 2006. « Fragment d'une douleur au cœur de Brazzaville, c'est une poésie », sorti aux éditions L'Armatan en 2009. « Dictionnaire des œuvres littéraires congolaises, Paris en 2010 » et « Journaliste blanc sous le soleil de l'Équateur », c'est un roman, sorti aux éditions Edilivre en 2010. Et Réflexion et démocratie pluraliste, c'est un essai sorti aux éditions ICES en 2012. Drôle d'histoire france-africaine que nous allons exploiter tout à l'heure. C'est une nouvelle sortie aux éditions Langlois Cécile en 2015. Et enfin, littérature congolaise en 2015. Bien. Vous êtes critique littéraire. Moi, je suis critique de musique. Je ne sais pas si vous travaillez de la même façon que nous. Parce que nous, au niveau de l'AICA, l'Association internationale de critique d'art, on nous dit toujours ceci. La meilleure critique, c'est celle qui consiste à reconnaître le talent de l'artiste tout en soulignant les faiblesses, dire ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Mais quand vous dites l'œuvre d'un tel est nulle, ce n'est plus de la critique, c'est de la pure méchanceté. Est-ce que c'est la même chose? Vous travaillez, prenez votre micro s'il vous plaît. Est-ce que vous travaillez dans les mêmes conditions que nous? Ou bien, c'est-à-dire, comment vous travaillez? Est-ce que c'est la même chose que les critiques de musique? À quoi consiste votre travail, Noël Ramata Kodia? Eh bien, je pense que nous travaillons, je crois, sur la même longueur d'onde, mais il y a un problème au niveau de la critique littéraire. Au niveau de la critique littéraire, il faut voir qu'il y a ce qu'on appelle la scientificité. C'est-à-dire que au niveau de la littérature, la critique littéraire devient une science. Et cette science-là, il faut d'abord la connaître avant d'aller vers le texte. Et encore, ce qui est un peu bien, c'est-à-dire chez moi, c'est que... Je peux dire que du lycée jusqu'aux universités, j'étais moulé de la critique traditionnelle. D'accord. Je disais qu'effectivement que l'œuvre était le reflet d'une société, ainsi de suite, c'est la photocopie. Mais ce qui m'a permis de mettre en cause, c'est que quand je suis venu étudier ici, oui, à Paris, oui, et quand j'ai étudié le nouveau roman avec Alain Robrier, avec Michel Buton, Nathalie Sarraute, oui, je me suis rendu compte qu'effectivement qu'il y avait le nouveau roman qui avait appelé la nouvelle critique.
Donc, oui. Pourquoi je vous dis qu'actuellement, en principe, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire, vous disiez que, vous voulez dire que pour moi, en tant que critique littéraire, je lis le livre, oui. Et puis, très souvent, je pousse, c'est-à-dire que je montre les points qui font que le lecteur puisse aller vers le livre. Parce que ce que je vous dirais, parce que, donnez un exemple. Celui qui est habitué à la critique traditionnelle, quand il va se retrouver devant un roman, par exemple, d'Alain Robbe-Grillet ou bien de Nathalie Sarraute, et bien il dira que ça c'est du n'importe quoi, entre guillemets. Alors qu'il faut savoir que avec le nouveau roman, nous allons plutôt au niveau de la forme, qui montre là, oui. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc pour moi, je dirais, grosso modo, pour moi, mes papiers, plutôt je dirais que mes articles poussent le lecteur à aller vers le roman et vers le livre. Voilà. Tout à fait. Voilà. On aurait la bataille pour dire quelle place occupe le livre dans votre vie. Parce que j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, vous vivez la littérature, vous respirez la littérature. Mais la littérature, bon, je dirais plutôt que la lecture est en moi. Oui. Et il y a des gens qui s'étonnent, qui disent que, mais M. Koudier, comment vous faites tout le temps, vous écrivez, bon là, vous voyez le livre que j'écris, comment vous faites pour ainsi de suite. Je dis que, mais non, tout simplement, nous avons 24 heures. En 24 heures, prenez au moins 2 heures pour la lecture, parce que je suis, par exemple, quand je me réveille, de 6 heures à 7 heures, je lis au moins 10 pages. Et après, je fais n'importe quoi. Donc, c'est pour dire qu'on a tout le temps de lire, on a tout le temps d'être avec la lecture, d'être avec le livre, de vivre dans et par le livre. Merci beaucoup. Il a été mon chef. On a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, il est mon invité. Michael Soigneux. Principal adjoint du collège Jean de La Fontaine du Messoussène. Auparavant, professeur de lettres modernes dans l'enseignement secondaire dans l'académie d'Amiens, collège et lycée de 2004 à 2010, dans l'académie de Créteil, collège aussi, de 2010 à 2014, et dans l'enseignement supérieur chargé de cours en université Paris 3, Sorbonne, nouvelle de 2001 à 2004, chargé de cours en littérature et cinéma à l'université Picardie, Jules Verne d'Amiens de 2004 à 2010, chargé de cours en littérature et communication à l'Université Paris-Est Créteil de 2011 à 2014. Vous avez été professeur de lettres et d'art au centre pénitentiaire de Laon de 2008 à 2010, formateur auprès d'adultes en reprise d'études au Greta Picardie de 2006 à 2009, professeur de français langue étrangère dans un collège zone d'éducation prioritaire, conférencier à l'Université Inter-Arts de Laon de 2004 à 2010, formateur académique à destination des enseignants intervenant en milieu pénitentiaire dans l'Académie d'Amiens de 2008. Participation à la commission académique du brevet des collèges auprès des inspecteurs d'académie, inspecteurs académiques régionaux de lettres, Académie de Créteil 2011-2014. Concernant vos publications, Michael Soigneux, de 2006 à 2008, participation à la revue Recherche pédagogique de la MEF. La MEF veut dire Association marocaine des enseignants de français. C'est bien ça. Tout à fait. Bien. Leçon littéraire sur le paysage dans une vie de Guy de Maupassant. Et puis l'amour dans la poésie surréaliste, Recherche pédagogique, revue de la MEF. Bien. Quelle est la date précise de votre éveil à la poésie? Parce que vous êtes poète. Alors, je dirais qu'en tant qu'écrivain, en tant que poète, en tant que romancier, jeune homme, en tant que tout simplement citoyen, nous avons tous dans notre parcours scolaire, que ce soit à l'école élémentaire, au collège, au lycée ou à l'université, des modèles qui nous ont formés à l'appréhension, à la compréhension des textes. Et je dirais que deux personnes, deux figures, lorsque j'ai été lycéen et étudiant, m'ont éveillé à la littérature. C'est une professeure agrégée de lettres en littérature au lycée
qui m'a permis de découvrir les œuvres poétiques de Léopold Sédar Senghor, les Éthiopiques. Oui. Et ensuite, à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où j'ai été étudiant puis chargé de cours, Mireille Sacotte, grande professeure des universités émérites, qui m'a permis de découvrir la poésie de Saint-Jean-de-Perse et plus largement la poésie guadeloupéenne. Donc c'est donc dans mes études lycéennes et en tant qu'étudiant que j'ai découvert la poésie avec grand intérêt et que je m'y suis attardé par la suite. Donc vous êtes poète, vous n'inventez pas les histoires comme font les romanciers qui fabriquent même des personnages. Vous ne faites que ce que vous apporte l'existence, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Je considère que la poésie va décrire un moment T, une émotion à un moment T. Oui. Là où le romancier a cette possibilité, cette chance, par la longueur de l'œuvre, par le tissu narratif, de décrire l'histoire d'un personnage ou d'un groupe de personnages à travers la grande histoire. Il a cette capacité, via la fiction romanesque, effectivement, de développer l'avancée d'un personnage, l'avancée d'une grande histoire. Là où le poète va se figer sur une émotion souvent éphémère, dans un poème souvent plus court que le roman, bien entendu. D'accord. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter la jeune star de la lecture et de la littérature, Chris Kibello. Bien, vous êtes romancier, chroniqueur, radio et scénariste, passionné de littérature et de football. C'est la Coupe du Monde, hein, bien. Le 8 juillet 2017, à la librairie Les Marquises, vous avez reçu le diplôme de l'Académie du Bassin d'Arcachon. Ce prix, créé en 2007, récompense chaque année, depuis 2003, les jeunes auteurs prometteurs. Et en ce qui concerne votre bibliographie, en février 2016, vous avez publié aux éditions France Libris, Ryan l'Orphelin, et ce roman, vous l'avez réalisé avec Madame Gorin, documentaliste du CDI, et Elodie de Roger, votre ancien professeur de français au lycée. Et Retour en arrière, Issa, c'est un autre roman que vous avez publié en mai 2017 aux éditions Edilivre. Et toujours en 2017, aux éditions France Libris, vous avez publié une nouvelle au nom de Marie. Bien. Chris Kibello, quand je vous ai annoncé que vous serez sur le même plateau avec Gisèle Meunier, Noël Ramatakodia, Michael Soigneux, vous avez bondi de joie. Pourquoi ? Parce que c'est un grand plaisir. J'ai appris cette nouvelle durant la rencontre et dédicace que j'avais le 10 mars dernier à Paris. On était avec Noël Ramatakodia. Où j'avais l'occasion de rencontrer monsieur Noël Ramatakodia, qui est un grand écrivain congolais. Donc, qui a fait la critique de mon livre Ryan l'Orphelin. Et quand j'ai su cette nouvelle, c'était une très grande joie. Donc j'ai eu de l'émotion parce que c'est... Parmi les grands En tant que jeune, d'être parmi les grands, c'est un privilège. Parce que comme vous venez de le voir, ils ont un parcours qui est très étonnant. Où je me dis que je suis très loin d'eux. Donc avec le temps, j'aimerais faire comme eux ou peut-être faire mieux qu'eux. Parce qu'il ne faut pas se contenter du minimum, mais toujours se mettre plus d'ambition dans la vie. Mais vous n'étiez pas prédestiné à devenir écrivain. C'était quoi le déclic ? Le déclic est arrivé donc, durant l'année 2015, où je jouais au football. Donc j'ai eu 3 déchirures à la cuisse, qui m'ont empêché de poursuivre mon rêve au niveau du football. Et donc, dans une période très sombre, où je cherchais une autre voie à faire, parce que... Il faut le rappeler que le football était toute ma vie, où j'avais placé mon espoir, parce que je rêvais de marcher sur les traces de Didier Drogba, de Neymar, et enfin, des très grands joueurs que vous connaissez actuellement. Et malheureusement, ce rêve s'est brisé, donc je me suis tourné vers la littérature, parce que c'était un moyen aussi de me reconforter dans ma douleur, parce que j'ai essuyé plusieurs critiques durant cette période, et j'étais vraiment perdu. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire... Ryan l'Orphelin, grâce à l'aide de ma professeure Elodie Derrideur, donc qui va m'aider pour la construction de ce roman et la relecture. Ensuite, Madame Gorin, qui était documentaliste du CDI du lycée Condorcet d'Arcachon, qui, elle, m'a aidé parce que, enfin, il faut le dire, que je manquais des cours, elle me justifiait des mots pour m'aider à écrire mon roman. Merci beaucoup.
chers téléspectateurs, je veux vous présenter une dame, Gisèle Meunier. Vous êtes enseignante et romancière. Vous avez publié des recueils de nouvelles, de poésie et un livre pour la jeunesse. Vous avez et vous avez fondé l'ALEC. C'est quoi l'ALEC, s'il vous plaît, prenez votre micro. L'ALEC. L'ALEC, c'est l'association Lire, Écrire, Compter. Ah, d'accord. Que vous présidiez depuis 2007. Et vous animez de nombreuses activités littéraires, membre du jury de concours littéraire, sociétaire de la Société des auteurs de Normandie, de l'Association des écrivains de langue française, membre du syndicat des journalistes et écrivains, et représentante de l'Association Rencontre européenne, Européésie pour la Seine-et-Marne. Vous avez été récompensée lors de concours de nouvelles et de poésie, et vous participez à de nombreux salons du livre et dédicaces en Ile-de-France, Normandie, Bourgogne et Champagne. Bien, nous allons parler aussi de votre bibliographie. En 2018, vous avez publié un aller simple pour grâce que nous allons exploiter également. Et dit mamie, raconte-moi la grenouille. Ça, c'est pour la jeunesse. Oui, l'an dernier. Voilà. Et le bal des âmes perdues de Venise à l'île d'Elbe en 2017. C'est un roman. Eugène Petit Bourguignon, c'est une réédition. En 2016, c'est un roman aussi. Sous les étoiles, l'enfer 2014, un roman. Et un roman policier en 2013 qui a tiré sur la haute couture. Un autre roman en 2009, Sous le masque de l'amour. Baobab 2004, et un roman. Caline, petite boule de poil, une réédition et une nouvelle en 2011. Dans les cahiers de mon père, des histoires, 2011 également. Et Humeur, c'est une poésie en 2008. La tête dans les nuages, 2013, poésie. Écrire son histoire de vie 2007 et 7. C'est du lourd, hein, je vous ai dit. Votre roman, Un aller simple pour grâce, est sorti il y a exactement 7 mois. Trois mois. Oui. C'est pas 7 mois depuis qu'il est sorti. Non, au mois de mars. À ce mois de mars, oui, oui. En 2018. Oui, oui. D'accord. Mais un bon sentiment? Ah oui. J'aime beaucoup. Allez, dites-nous, enfin, est-ce que les retours des lecteurs sont positifs? Ben, il faut en demander, il y en a quelques-uns. Là. Maintenant, c'est à vous de nous dire madame, s'il vous plaît. Non, mais je pense, oui, puisque j'attends une nouvelle réimpression là, du premier tirage. Ce que j'ai beaucoup aimé à l'écriture de ce roman, et je fais référence à ce que monsieur Noël Ramatakodia vient de dire, a évoqué le nouveau roman. Notamment Michel Butor, et j'avais lu il y a une bonne vingtaine d'années la modification. Donc si je cite la modification, les gens un peu avertis savent tout de suite de quoi il s'agit. Et je m'étais dit qu'un jour je voudrais copier, bien sûr, mais je voudrais écrire un roman un peu sous cette forme, c'est-à-dire en 24 heures sous forme d'un voyage ou autre, et puis en fait connaître, alors dans son cas c'est on connaît toute sa vie, etc., avec cette modification qui s'opère entre l'état d'esprit qu'il a au départ quand il part de Paris pour retrouver sa maîtresse à Rome, et puis bon, le voyage est assez long, voilà. Donc d'accord. Moi j'avais envie de, alors je sais pas si j'en parle maintenant. Non, nous allons voir ça dans la deuxième rubrique. Mais la deuxième question que je vous posais, Gisèle Meunier, est-ce qu'on écrit de la même façon pour la jeunesse comme on écrit pour un adulte? Je dirais non. Et je dirais que sur les 8 romans qui sont écrits, mes 8 romans, il n'y en a pas 2 qui ont été écrits de la même façon. D'ailleurs, si vous remarquez, j'aime bien varier les sujets. J'aime bien varier aussi les styles. Et d'ailleurs, dans mon recueil de nouvelles dans les cahiers de mon père, des histoires bien singulières, il y a 14 nouvelles. Et là, j'ai vraiment voulu présenté comme un patchwork de différents styles, de sujets complètement différents aussi, et traiter même des sujets qui peuvent être graves ou sérieux, de façon complètement détachée, de façon, vous voyez, avec beaucoup de recul, et les traiter quelquefois de façon qui peuvent choquer certains lecteurs, mais c'est pour montrer aussi qu'en littérature, on peut, on doit oser, dans la mesure où on respecte la langue française, où on la manie à sa façon,
Il y a 50 manières de manier la langue, d'écrire des textes courts, des phrases très très longues, mais il faut être cohérent. Voilà, il faut être cohérent dans la démarche qu'on a commencée. Merci, chers invités. Nous allons passer dans la deuxième rubrique, l'auteur et son œuvre. Et nous allons commencer par Chris Kibelou. Rayane l'orphelin a captivé le public lors de la dernière présentation à Paris le 10 mars 2018. Et ce livre a été écrit par un jeune, c'est-à-dire vous. Est-ce qu'il est destiné seulement aux jeunes? Ce roman, non, je ne dirais pas qu'il est tout simplement destiné aux jeunes. Je pense que tout le monde ici présent est passé par la jeunesse. Donc en passant par la jeunesse, on peut aussi lire ce roman en tant qu'adulte. Parce que c'est un roman très particulier que j'ai écrit, où il y a de l'émotion, de certaines choses. Mais justement, parce que lorsqu'on voit Ryan, c'est un orphelin de père et de mère, voilà. Et il lui manque l'affection maternelle. Est-ce que vous pouvez nous résumer, si on vous demandait de résumer votre roman, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que les téléspectateurs et ceux qui sont dans la salle veulent découvrir. Pour résumer très rapidement Ryan l'orphelin, je dirais que c'est l'histoire d'un jeune de 14 ans donc qui habite dans un village sous-développé d'Afrique donc, où il tient l'unique épicerie de son village. Donc, étant orphelin de mère de sa naissance, il n'a jamais connu l'affection maternelle. Donc pendant que les autres étaient avec leurs parents en fêtant des fêtes comme Noël et autres, lui il était tout seul avec son père et... ce manque d'affection le blessait énormément. Donc à 14 ans, son père décide de faire un voyage dans un pays plus développé où il pouvait avoir des moyens assez conséquents pour offrir à son fils une éducation nettement supérieure. Parce qu'il faut le rappeler qu'il n'y avait que des écoles privées qui étaient considérées comme des écoles de riches et Ryan n'avait pas, son père n'avait pas de moyens de lui offrir ce luxe. Donc pour l'avenir de son fils, il va se sacrifier en allant... Dans le pays, dans l'aide de Radu Irev, où malheureusement il n'aura pas accès parce qu'il est victime d'un accident de voiture et il ne réussit pas à survivre. Voilà, ensuite je vous laisse découvrir. Oui, d'accord. Tout à l'heure, je crois que pendant la collation, les gens vont s'intéresser à votre roman. Et maintenant, Gisèle Meunier, comme je l'ai dit, nous sommes dans la rubrique L'auteur et son œuvre. Voilà votre œuvre, Un aller simple pour grâce. L'histoire est celle de Claire. Claire est mariée à Didier, ils vivent tous les deux en Bretagne, mais sauf que Didier est affecté aux États-Unis où il travaille pour le compte d'un journal. Mais avant la fête de Noël, Claire reçoit un coup de fil de la police de Grasse, c'est-à-dire sur la Côte d'Azur. Mais il y a une nouvelle, ils ont une deuxième résidence qu'ils ont achetée à plus de 30 ans. C'est une résidence où ils vont seulement pour les vacances. Personne n'y habite. Mais curieusement, il y a un cadavre carbonisé, il s'agit d'un homme. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'elle fait? Claire essaie d'appeler son mari qui est aux États-Unis, mais elle n'arrive pas à le joindre. Donc elle décide de se rendre à Grasse, mais avec les conditions météorologiques et à la neige, son voyage est un peu retardé. Mais au cours de ce voyage, Claire fait une rencontre. Elle rencontre un monsieur qui s'appelle John. Mais un voyageur sans destination. Mais curieusement, il descend à Marseille. Mais au moment où Claire arrive à Grasse, au poste de police, elle rencontre encore un certain John. Mais qui est la victime? Voilà le résumé. Je ne sais pas si j'ai bien résumé votre livre. Gisèle Meunier. Très bien. Sauf qu'il ne fallait peut-être pas dire que John on retrouvait à l'arrivée. Mais oui, oui. Mais non, justement, mais tout à fait. La question que je vais vous poser, ce roman, est-ce que c'est un roman policier? C'est un roman d'aventure ou bien une histoire d'amour? Je ne peux pas le dire. Je n'aime pas trop classer, mettre des cases. Oui. Moi-même, je ne me mets pas vraiment dans une case. Pas dire, mais pourquoi les auteurs peuvent se retrouver finalement? Oui, oui. Non, mais en fait, pour en revenir à ce que je disais par rapport à la modification et à ce voyage en train,
Donc moi, j'avais envie de... D'ailleurs, vous avez remarqué, vous n'en avez pas parlé, mais j'avais envie de parler de voyages que j'ai faits partout autour du monde. Oui. Que ce soit en Chine, que ce soit en... D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui a fait le voyage avec moi. Mais oui, mais justement, sans vouloir vous couper la parole, oui. C'est la question que j'allais vous poser, parce que Claire, oui. Elle revient toujours sur ses souvenirs. Oui. Elle a été au Sénégal, oui. En Inde, en Chine, oui. En Russie, en Russie les États-Unis. New York, tout. Oui. Mais pourquoi elle est restée en Bretagne, elle n'a pas rejoint son mari aux États-Unis? Ah, mais parce que, si vous avez bien vu, elle n'aime pas New York. Elle n'aime pas trop New York. Voilà. Elle a sa fille qui vit aussi là-bas et elle n'aime pas la mentalité, en général, parce que je n'aime pas... Mais il y a des tas de choses qu'elle n'aime pas dans New York, dans la façon dont vivent les gens, dans tout ce qui est artificiel, parce que c'est une femme authentique, c'est une femme du réel, de la sincérité. Et donc elle n'aime pas ce monde hypocrite, enfin bon, voilà. Donc alors, moi pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, j'avais commencé à raconter, si vous voulez, je voyage beaucoup et j'ai énormément de plaisir à voyager. J'ai envie de faire partager ce que je vois, ce que je vis et la façon dont vivent les gens. Vos souvenirs aussi. Oui, voilà. Et donc, je ne voulais pas écrire un livre qui fasse office de guide de routard ou quelque chose comme ça, qui aurait lassé certainement les lecteurs. Mais comme, tout comme on peut faire des photos ou des poèmes, j'en écris aussi quand je voyage. Donc j'ai voulu présenter des scènes, vous avez vu, dans tous les pays dont je parle, il n'y en a pas 30 pages, hein. Ce sont des moments, des impressions, des choses qui m'ont marqué. Et comment j'allais amener tous ces éléments, tous ces textes que je voulais présenter à mes lecteurs? Donc j'ai eu l'idée de me dire, je vais faire un voyage en train un peu... sous la forme de ce qu'a fait Michel Butor. Et puis pendant ce voyage en train, donc, il fallait un but. Et l'histoire, entre guillemets, policière, elle n'est pas essentielle. Enfin, pour moi, elle n'était pas essentielle dans le livre. C'est pas ce qu'il y avait de plus important. Même si je voulais qu'il y ait d'ailleurs à la fin de chaque chapitre, je tiens quand même le lecteur informé du déroulement de l'enquête. Ouais, ouais. Et puis à la fin, on se retrouve à Grasse, une ville que j'aime énormément, pour laquelle je suis retournée, bon, où j'ai vécu il y a quand même plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Enfin, je vivais dans un tout petit village à côté. Et je suis retournée pour les besoins du roman. Je suis retournée 15 jours au mois d'octobre pour revérifier, parce que dans quel que soit le texte, roman ou pas, il faut être crédible, il faut être précis. On ne raconte pas n'importe quoi. Enfin, on parle d'une ville, de lieu, de... Bon, il faut savoir s'il y a une gare, est-ce qu'il y a réellement une gare, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que c'est une gendarmerie, est-ce que c'est un commissariat de police, enfin voilà. Voyez. Merci. Donc, un aller simple pour Grasse, c'est un livre magnifiquement écrit et on sent l'élégance de l'écriture. C'est pas Noël Ramata Kodia qui va me dire le contraire. Je vais votre micro, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire que je dirais que ce roman. Dès que je l'ai commencé à le lire, je me suis tout de suite rappelé de Michel Butor, c'est-à-dire le personnage principal, ce qui n'est pas clair, mais plutôt le train. Et oui. ça m'a fait chaud au cœur pour dire que voilà effectivement que un romancier ou bien une romancière qui fait quelque chose de neuf, qui sort du sentier battu comme le nouveau romancier. Et vous remarquez que pour moi, c'est un roman, je dirais que, à deux pistes. Deux pistes qui montrent qu'effectivement que la romancière, je peux dire que la romancière est plus une romancière. De un, il y a l'histoire de Claire qui est, pour moi, que je qualifie comme... sorte de condenser d'émotions. Et après, il y a ce roman policier qui vient juste greffer le roman. Et encore, ce qui m'a plu, encore ce qui est intéressant, c'est que il y a vers la fin une technique que le roman ici peut-être ne sait pas mettre au cours, peut-être qu'il ne sait pas mettre en face, ou bien qu'il le force à percevoir, c'est la mise en abîme. Il y a dans ce texte le roman dans le roman.
il y a un premier roman, hein, écrit par la romancière, où le héros est Claire. Oui, Claire. Et deuxièmement, à l'intérieur de ce roman, il y a le roman que Claire écrit sur Grâce. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux romancières, la romancière Claire et la romancière abstraite se fondent sur le sujet de Grâce. Voilà peut-être ce qui m'intéresse. Ouais, merci beaucoup. Bon, maintenant, nous allons passer à Michael Soigneux. Vous m'avez envoyé trois poèmes. Il y a un qui a retenu mon attention, c'est Opération contre Étanier, que vous avez écrit en 2010. Ici, c'est une forme de dommage que vous rendez aux plus de 10 000 juifs qui étaient parqués dans ce lieu du Vélodrome. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Oui. Concernant la Seconde Guerre mondiale, il est vrai que l'épisode tragique du Vélodrome du Valdiv est un épisode qu'on évoque très peu dans l'histoire apprise à l'école, dans les collèges, même à l'université. Même de rares amis en fait de hautes études d'histoire n'ont entendu parler que dans leurs études pour l'agrégation du Valdiv. En ayant lu un peu plus tard l'ouvrage, j'ai perdu le nom là, un ouvrage justement qui évoque le Valdiv, ça m'a inspiré cette envie d'écrire ce poème pour rendre hommage effectivement à ces plus finalement de 12 000 juifs qui ont été séquestrés, parqués en juillet 1942 dans ce vélodrome d'hiver, qui avaient vu tournoyer des vélos, des courses de vélos, et montrer comment, dans un poème à la fois descriptif, narratif et puissant en termes d'émotion, comment on était passé de la joie de la veille à quelque chose de tragique, cautionné en quelque sorte aussi par l'État français à l'époque, et camouflé par les Allemands dans ce nom un peu trompeur, parce qu'on était en plein été, Opération Vent Printanier. C'était le nom de cette vague de tuerie des Juifs vivant à Paris et dans sa bande. Donc un poème à la fois de dénonciation et qui rend également hommage à ces personnes disparues. Oui. Mais d'après vous, Michael Soigneux, comment le poète perçoit-il ce que le romancier écrit? Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, là où Baudelaire, pour la poésie, parlait d'incantation, pour Baudelaire, la poésie, c'est de l'incantation, pour Rimbaud, la poésie, c'est l'alchimie du verbe, je dirais qu'en tant qu'écrivain de poèmes en vers, pour moi, le romancier, c'est celui qui va tisser dans sa narration l'histoire individuelle dans l'histoire collective. Le romancier qui a la chance avec ce genre romanesque et protéiforme. Oui, mais par contre, le poète, il est dans l'émotion. Tout à fait, oui. Et puis dans le sentiment par rapport au romancier, parce que le romancier a cette capacité de mettre en œuvre une histoire narrative, par exemple. Exactement. Hein, donc c'est ça la différence. Oui, donc l'émotion, la sensation très figée dans le poème. Oui. Là où le roman va permettre justement de développer la psychologie humaine, oui, à travers les chapitres, à travers la prose narrative, tout à fait. Vous connaissez Paul Éluard? Tout à fait, oui. Ouais, Paul Éluard disait « Le meilleur choix de poème est celui qu'on en fait pour soi ». Et comment vous trouvez cette citation? Moi, je l'ai trouvée un peu formidable. Je ne sais exactement pas, à votre niveau, comment vous l'interprétez? Alors, cette citation de Paul Éluard fait référence à un temps fort de sa vie. Paul Éluard, en 1947, décide de rédiger une anthologie qui porte ce titre. Oui. L'un des meilleurs poèmes sont ceux que l'on écrit pour soi ou que l'on retient pour soi. En 1946, en novembre 1946, Paul Éluard perd sa compagne qui se prénommait Noche. Noche décède d'une hémorragie en novembre 1946. À deux doigts du suicide, plongé dans une mélancolie profonde, Paul Éluard, un poète surréaliste, décide de rassembler ses poèmes les plus sombres, oui, les plus tempérés, les plus cyclotimiques, si je puis dire, dans ce recueil, pour montrer que finalement, à un moment donné, le poète a besoin d'un retour sur lui-même. Et dans cette anthologie, il rassemble les poèmes les plus, on va dire, les plus choquants, les plus personnels des 20 dernières années de sa vie, avant 1947, sous ce titre-là. Et effectivement, le poème, c'est le genre poétique, c'est le miroir finalement de soi-même. Je sais que lorsque j'écris un poème, ouais, je suis par exemple au Mont-Saint-Michel, je suis enthousiaste d'une visite, j'ai envie d'écrire un poème enthousiasmant, joyeux, positif.
Je vais vivre un événement tragique, je vais assister à un enterrement. Peut-être vais-je me rappeler de l'âme positive de cette personne décédée, proche, et vouloir lui rendre hommage sous la forme d'un poème à la fois tragique et pathétique, par exemple. Donc la poésie, on peut dire que c'est le miroir de soi-même. Le miroir de soi-même, de ses émotions, de son vécu personnel, tout à fait. Ah, d'accord. Bien, Noël Ramata Kodia, vous avez publié drôle d'histoire france-africaine. Ce sont sept nouvelles, magnifiquement effacées par Laurent Bawonda. Mais la question que je vais vous poser, ôtez-moi d'un doute aujourd'hui, parce que j'ai appris qu'un critique littéraire n'a pas le droit d'écrire et il n'a pas le droit de publier. Est-ce que c'est vrai? Donc, s'il vous plaît, parlez dans le procédé. Enfin, faux. Parce que tout simplement. Ah, mais moi, je suis dans un débat à la télé. Mais les gens disent qu'un critique littéraire n'a pas le droit d'écrire, n'a pas le droit de publier. Eh bien, moi, je dis c'est faux parce que. Enfin, Renaud, je n'étais pas là. Bon, tout simplement, ce que je vous dirais, oui. C'est que le critique, c'est quelqu'un qui travaille avec la science, oui. De l'écriture. OK? Et le romancier. Michael Soigneux, par exemple. Non, mais c'est poète. Le poète. Elles sont des auteurs qui travaillent avec l'inspiration, avec ce que. C'est-à-dire que ce qu'ils peuvent créer avec la création. Moi qui vous parle, ils sont en même temps poète, critique, romancier. Oui. Donc ceux qui disent que. Que le critique ne peut pas. Non, c'est pas possible. Bien, Noël Ramata Kodia, quelle différence faites-vous entre Noël Ramata Kodia, romancier, oui. Et Noël Ramata Kodia, critique littéraire? Noël Kodia, critique littéraire, c'est Noël Kodia qui a enseigné les littératures, c'est Noël Kodia qui a appris la technique du roman. Oui. Et puis je vous dirais que ma thèse à Paris 4 s'intitulait « La technique du roman au 19e et 20e siècle en comparant Balzac et Claude Simon. » Ah, d'accord. Ok ? Oui. Bon, ça c'est Kodia, écrit littéraire, parce que je travaille avec les techniques de la science. Et ce qui est bizarre, c'est que il y a des textes, il y a des romans que des amis, des amis lecteurs, oui. Ont lu, ont critiqué, mais ils ont dit que c'était du n'importe, entre guillemets, n'importe quoi. Et moi, quand j'ai repris ces romans en mettant la technique du roman, ainsi de suite, ils ont compris qu'effectivement, à bon compte, c'était comme ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que, effectivement, que ça, c'est au niveau. La critique. Bon, maintenant, le romancier, je vous ai dit que je suis romancier parce que, et le moment, il me vient l'inspiration d'écrire, de créer, comme fait mon collègue, et ceci pourrait être aussi le moment où j'arrive à mettre un peu quelques vers sur le papier. Merci beaucoup. Bien, nous allons passer à notre rubrique, la lecture. La lecture, nous allons commencer par Marguerite Chamon, qu'on applaudit très fort. Samedi, quelques jours avant Noël, 7h du matin. Le téléphone sonne dans la longère endormie. Je me réveille en sursaut. M'arrachant aux rêves délicieux qui m'avaient embarqué dans de beaux souvenirs. Les moments passés avec notre jeune tribu l'été dernier dans notre résidence de Provence et l'air chaud et suave me reviennent périodiquement lorsque je suis en état de frustration, de couleur et de chaleur, particulièrement aux jours les plus courts de l'année. En effet, dans une poignée de jours, nous fêterons Noël.
loin de notre modeste paradis. Je l'aime tant, mon mât provençal. Ça me réjouit à chaque fois que le sommeil m'y transporte. En peu de temps, juste par la magie de l'esprit et de l'inconscient, je me délecte des senteurs de thym, de romarin et de jasmin. La lumière crue ne m'effraie jamais, au contraire. J'ai le sentiment de m'engorger comme une outre ferait provision d'énergie pour les jours les plus sombres. Pourtant, à cette heure matinale, je crains l'annonce d'un mauvais présage. La sonnerie insistante augmente mon angoisse. Le regard vitreux, les gestes vagues, le pas trébuchant sur la descente de lit, je rejoins le salon et arrête la sonnerie en décrochant le combiné. Une voix inconnue et à l'accent pourtant agréable se présente. Madame Claire Dubois, ici le commissariat de police de Grasse, Alpes-Maritimes. Oui, que se passe-t-il ? Rien de grave, j'espère. Si je ne suis pas surprise de la sonorité de cette voix marquante chaque syllabe, symbole de ma région de prédilection, je crains et mets immédiatement le pire. Êtes-vous la propriétaire de la ville au numéro de la villa au numéro 24 dans le chemin des Jardins de Provence? Oui, c'est moi. Que se passe-t-il enfin? Nous aimerions vous entendre au sujet de votre locataire vivant ici à Grasse. Comment? Quel locataire? Personne n'occupe notre main en dehors de ma famille lors des périodes de vacances. Vous devez faire erreur. Non, madame, nous aurions besoin de vous entendre le plus tôt possible. C'est d'une affaire grave qu'il s'agit, ajoute le policier, sans plus d'explication. Pourquoi enfin, rendez-vous compte, je vis ici à Tréguier, au nord de la Bretagne, à près de 1400 kilomètres. Imaginez-vous l'expédition pour m'y rendre? Nous le savons, madame, puisque nous avons vos coordonnées téléphoniques. Cependant, il s'agit d'une question très importante et grave, insiste-t-il. C'est-à-dire, le corps d'un homme a été trouvé carbonisé cette nuit dans l'incendie de votre maison. Au moment de l'intervention des pompiers, aucun blessé n'était visible. Aucun indice ne laissait présager la présence de résidents à l'intérieur. Ceci a permis aux autorités de minimiser les risques. Mais dès que cela a été possible, l'enquête s'est poursuivie et ils ont découvert un corps. Actuellement, aucune hypothèse n'est écartée sur l'identité de la victime. Je m'assieds sur le fauteuil où je reçois habituellement des confidences plus badines que ce message très officiel, en me demandant si à mon doux rêve ne succède pas un horrible cauchemar. Je dois pourtant me rendre à l'évidence. Le policier de service me communique ses coordonnées et je lui promets de m'organiser au mieux afin de me rendre sur place. Mille questions tournent dans ma tête. Aucune réponse pour me satisfaire. Le déchirement est réel et je le vis en direct. Mon petit coin de paradis est parti en fumée et un inconnu y a trouvé la mort. Bravo!
Merci beaucoup. Et je vous signale que Marguerite Chamon, malgré son âge, malgré son état de santé, elle s'est déplacée pour venir lire. Parce qu'elle est malade, c'est ce que les gens ne savent pas. Et à présent, nous allons faire appel à Jean-Pierre Béchu. Bonjour Jean-Pierre Béchu. Bonjour. Vous allez nous lire l'extrait du roman de Noël Ramadan Kouya. Et je dois signaler, Marguerite Chamon et Jean-Pierre Béchu, ce sont des délégués de Seine-et-Marne de la Société des poètes français. Et la Société des poètes français, depuis un certain temps, est devenue partenaire de notre émission « L'heure de la lecture ». Le vide en permanence. Pour avoir fait une chute de 5 mètres d'un arbre en jouant à Tarzan avec ses amis du quartier, Moussa Ndiaye avait une peur bleue du vide. Pour lui, la vie avait, depuis ce jour-là, pris le chemin tortueux de la peur et du degré zéro du vide. Tous les éléments qui affrontaient le vide lui faisaient peur. L'avion, l'oiseau, la feuille entraînée par le vent. Tout cela apparaissait comme un mystère pour lui. Comment un avion aussi gros qu'un bateau pouvait-il se maintenir dans les airs sans support? Le bateau au moins pouvait s'asseoir sur l'eau. La pirogue, le propre de sa région, n'était pas aussi dangereuse que l'avion. Il se rappela tous les accidents d'avion que lui avait présenté la télévision depuis sa chute de 5 mètres d'un arbre en jouant à Tarzan avec ses amis du quartier dans la pénombre de leur enfance. Aujourd'hui, à 20 ans, il a toujours la phobie du vide. Il ne peut pas traverser une rivière en empruntant la passerelle. Il préfère mettre les pieds dans l'eau boueuse du cours d'eau pour atteindre l'autre rive, et cela malgré les éventuels dangers consécutifs à la présence des serpents et des crocodiles à certains endroits. Bachelier, Moussa Ndiaye avait brûlé 2 ans à l'université tchèque Anta Diop de Dakar, où quelques années blanches avaient bousillé la scolarité de certains enseignants, étudiants, dans l'indifférence de quelques enseignants. Ceux-ci semblaient être atteints par le courant des MTS, moyennes sexuellement transmissibles, qui faisaient le bonheur de certaines étudiantes. Surtout après les événements de la Casamance, qui avaient créé un vide dans beaucoup de têtes des Sénégalais, ayant subi quelques événements tragiques et dramatiques au cœur de cette région, dans les chansons infernales des armes de guerre. 2 ans d'échecs universitaires, il entra dans le labyrinthe de l'oisiveté. Il attendait que son frère, qui vivait en France depuis plusieurs décennies, lui répondit à propos de quelques préinscriptions qu'il avait sollicitées dans les universités françaises. Et comme la nature a horreur du vide, son absence sur les bancs de l'université fut compensée par des lectures plus ou moins permanentes au Centre culturel français de Dakar. Dans ce temple du savoir francophone, il dévora plusieurs auteurs des éditions de Minuit qui lui firent découvrir la guerre des récits à travers le nouveau roman, un courant littéraire qui définissait la majorité des textes comme des laboratoires du récit. Des auteurs dont les histoires racontées se reposaient sur le vide événementiel, et cela un peu à la manière de Bouvard et Pécuchet de Flaubert au XIXe siècle. D'ailleurs, à propos de ce roman, Flaubert ne voulait-il pas sortir des sentiers battus de son aîné Balzac, sur lesquels étaient habitués à se promener les lecteurs depuis Belle Lurette? Il voulait écrire un livre qui se reposerait sur un vide événementiel. Ce qui me semble beau, avait-il affirmé à une amie, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui ne tiendrait de lui-même que par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue par rien en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins, ou presque, le sujet serait invisible si cela se peut. Moussa Ndiaye lut aussi ce livre.
Il eut des difficultés à comprendre la trajectoire du récit. Lui qu'on avait habitué à la lecture dogmatique depuis les bancs de l'école élémentaire jusqu'à l'université de son pays, encore allergique aux techniques modernes dans l'analyse des textes littéraires. Il avait aussi lu Le dernier crépuscule d'un certain João Campes, qu'il comprit à peine, car voulant à tout prix l'analyser dans sa dimension référentielle, où le vide événementiel qui était manifeste ne cessait de le taraouder. Merci Jean-Pierre Bessieux. Mesdames et messieurs, pour votre plaisir, voici le retour de l'insatiable Véronique Chêne. Allez bien dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour Véronique Chêne. Bien, vous allez nous lire deux poèmes. Le premier, votre propre poème, intitulé « Chef-d'œuvre ». Et ensuite, « Opération Vent Printanier », le poème de Michael Soigneux. Mais en ce qui concerne votre poème, « Chef-d'œuvre », dans quelles circonstances vous l'avez écrit ? J'ai écrit en hommage à des femmes indiennes qui se retrouvent brûlées vives par des projections d'acide lorsqu'elles se rebellent contre des mariages forcés ou des décisions de famille. Et j'ai voulu témoigner et prendre la parole des femmes. Donc vous avez l'habitude d'écrire des poèmes, c'est ça? Un peu plus. Voilà. Allez-y madame, mais vraiment parler dans le micro, s'il vous plaît. Dis-moi comme elle est belle, que je puisse enfin l'aimer. Cette enveloppe charnelle que je trouve si laide, qui me colle à la vie laissant nombre de regrets et m'empêche pourtant d'en appeler à l'aide. Des sillons disgracieux que je rejette en masse, témoins d'un passé beaucoup trop douloureux, où le temps a laissé son éternelle trace et me prive parfois de moments plus heureux. Dis-moi que la beauté se voit à l'intérieur, même si dissimulée depuis la tendre enfance, que mes imperfections n'ont que peu de valeur et que finalement j'ai eu beaucoup de chance. Dis-moi que sous l'écorce se cache un vrai bijou, encore si fragile qu'il ne peut s'exhiber, se prenant simplement pour un vulgaire caillou, sans même imaginer pouvoir être apprécié. Dis-moi les mots doux susurrés à une reine, même si son éclat est beaucoup plus visible que le mien, enfoui sous une couche de peine, mais qui cherche pourtant à être irrésistible. Effleure-moi de la douce plume de tes mots, que j'écrive une nouvelle page de ma vie. Nous savons bien qu'il n'y a rien de plus beau qu'une histoire d'amour qui dure toute la vie. Dis-moi tout ce que tu as en tête, surtout ne réfléchis pas, laisse-toi aller, je suis fin prête. Et puis si bien dans tes bras. Je vais vous passer au deuxième poème, celui de Michael Soigneux. Vent printanier. Nom de code champêtre cachant une atrocité, celle de plus de 10 000 juifs séquestrés, parqués, dans une arène noire de monde où hommes, femmes et enfants s'entassaient sur des gradins inhumains, où les forces de l'ordre agissaient. Le vent froid de la peur les plongeait dans une profonde torpeur, l'air glacé du soir d'été les empêchait de bouger. On était bien loin des cris de joie de la veille, quand les enfants riaient encore dans les ruelles. C'était en juin 1942, en plein Paris, dans ce lieu mythique du Vélodrome, qui jusqu'alors avait donné le tournis à des milliers de spectateurs qui, du haut de leur dôme, admiraient des courses de vélo, pédalant toujours, toujours plus haut. À présent, tout n'était que puanteur, lent vertige, bientôt un néant vaste et plat, quel vestige. Certains abrègent Veldive, d'autres la surnomment la Grande Rafle. La célébrité du lieu a décliné un beau jour de 59, où les gradins poussiéreux furent en hommage à toutes ces âmes ressuscitées. Bravo! Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous demande d'accueillir
à la hauteur de son talent, Yann. Le voyage de mon père. C'était le soir du 20 septembre 2008. Mon père avait décidé de me confier l'épicerie pour aller découvrir un autre pays, pour ensuite trouver du travail pour m'aider à grandir dans de bonnes conditions. C'était un soir pas comme les autres. J'étais très triste et je pleurais sans arrêt, mais cela n'empêchait pas mon père de revenir sur sa décision. Il fallait qu'il parte pour préparer mon avenir, car il n'y avait rien d'autre à faire au village, mis à part héritier de l'épicerie, devenir pêcheur ou encore travailler sur les routes. Les jeunes du village préféraient aller au champ avec leurs parents. Dans le village, j'étais attaché à un vieillard, Sam, que je considérais comme mon grand-père, car je n'avais jamais connu le mien. De même, je n'avais jamais connu ma mère, qui avait perdu la vie lors de ma naissance. Parfois, je ressentais ce manque d'amour que ma mère aurait pu me donner. Je pensais beaucoup à mon père, surtout le soir, car il me parlait souvent de ses journées, son enfance dans une famille très pauvre et de son travail au champ avant ma naissance. Ma mère, elle, venait d'une famille riche de Montana, distant de 500 km de mon village, Madia. Il restait sans doute quelques membres de sa famille qui habitaient encore la capitale. Aujourd'hui, cela faisait 4 mois que mon père était parti dans un pays inconnu. J'étais sans nouvelles. J'attendais et j'espérais son retour au village. Une émotion douloureuse et lourde montait en moi si fort que les larmes coulaient sur mon visage. Il n'y avait plus rien à comprendre. Mon père me manquait. Cela devenait insupportable. Le village m'ennuyait beaucoup. Moi aussi, j'avais envie de partir sans rien dire à Sam, mais j'avais peur qu'il souffre à son tour de mon absence. Sam, c'était le sage du village, et il avait des réponses à tout. Souvent, j'allais le voir dès que j'avais un problème. Il ne voulait jamais que je prenne une seule décision sans qu'il me donne son avis. J'étais finalement resté au village. 2 mois après, c'était le soir de Noël que je passais d'ailleurs avec Sam. Une soirée riche en émotions, au cours de laquelle il m'avait raconté toute sa vie. Parfois c'était triste, mais je lui avais promis de ne pas pleurer pour passer un moment agréable. Sam s'était ensuite rendu dans sa chambre avant de montrer la surprise qu'il m'avait préparée. Je ne l'aurais jamais imaginé. « Tiens Ryan, c'est pour toi. J'ai utilisé mes économies pour t'offrir ces vêtements et ce parfum. Merci beaucoup Sam. Tu n'avais pas besoin de m'offrir un tel cadeau pour me prouver ton amour. Le village est pauvre. Ce sera mieux que tu économises pour autre chose. Manger, par exemple, ou te payer des vacances en Europe. Tu es un très bon garçon, Ryan. Je suis très fier de toi. Mais encore une fois, tu mérites ton cadeau. » Bon, madame, merci. Bien, vous pouvez enlever le micro. Ah, je l'enlève. Oui. Maintenant, je vous présente Yann en tant que slameur. Bonjour. Voilà. Si je regarde par là, dans ce sens, ce sentier, où sourit tout entier un soleil battant, si je tourne mon regard habité vers un ciel en beauté où l'on voit s'agiter les lumières du monde, si je vois de mes yeux la magie du grand Dieu et que mon âme grandit, respire des bouffées d'or, qui viendra me blâmer lorsque de mes poumons j'irai dire les paroles de l'esprit sublimé? Mais qui donc, quel pouvoir caduc pourra faire que j'abdique si je bois dans un verre le glorieux alambic? Si je regarde par là, dans cette direction, comme une voie d'accès, une issue aux accents de succès et d'onction, si j'ouvre cette porte et que soudain m'emporte dans un pays d'apôtres un vent de vérité, tourbillon inspirant, si je suis aspiré, habillé d'espérance dans ce souffle en spirale et que mes pas stériles deviennent intarissables, qui pourra m'arrêter lorsque sur cette voie je suivrai les savants qui s'en vont vers la vie?
Oui, c'est vrai, quel souverain salivrait mauvais grain saura me faire plier si je goûte en secret au savoir sacré. Si je regarde par là, pour lui, la seule loi qui me parle, c'est cette perle qui luit, cette lueur dans l'ombre, ce silence dans le bruit. Si s'élance l'emprunt sur la feuille océan, à l'abri des assauts d'une plume souillée, si la brume s'estompe et que tout devient clair, qu'apparaissent des estampes au milieu des éclairs. Si je regarde par là, si une mine paisible m'amène vers un passage où s'animent les songes et où tout est possible, si je croise les anges au détour d'un verbe et que les lettres vibrent comme autant de présages, oui, si j'ouvre grand les yeux sur cette poésie où des mots paysans cultivent une terre à rime, où des vers paysages diffusent un tel arôme qu'une prose artisane y construit son royaume, si je regarde par là et qu'il n'y a rien, que le vide livide, que la vie qui s'évade à la vue de la vide, s'il n'y a rien par là, alors de l'air, je regarderai ailleurs. Bravo ! Merci infiniment, Yann. Merci beaucoup. Bien, Gisèle Meunier, Chris Kibelo, Noël Amatakoudia, Michael Soigneux, vous venez de suivre les poèmes, les extraits de livres. Noël Ramatakoudia, qu'est-ce que vous avez trouvé de fascinant dans le livre de Gisèle Meunier ? Pardon, le micro, s'il vous plaît. Bien, je dirais que ce que j'ai trouvé de fascinant dans son livre, c'est le style. Ouais. Comme j'ai dit que c'est une romancière qui est sortie du sentier battu. Ça, là. Et vous voyez que ce roman, je l'ai lu en 3 semaines. Pourquoi ? Parce que dès que je lisais 4 pages, je m'arrêtais, j'avais pas envie de finir, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose derrière les pages. Oh, je l'ai lu 3 fois. Ah, voilà. Donc, vraiment, c'est que c'est un beau roman. Oui. Et puis, là, c'est là tu m'as appris qu'elle est enseignante. Oui, elle était enseignante. Enseignante. Et quand j'avais lu ce livre, vous voyez que j'ai l'habitude de lire les textes des auteurs sans lire les préfaces et les 4e de page pour ne pas être influencé. Et quand j'ai lu, j'ai dit, putain, mais cela devait être bon enseignant, vous serez une bonne enseignante. Et quand j'ai appris qu'elle est enseignante, j'ai dit bon. Merci beaucoup. Je vais poser une question, pas en tant qu'écrivaine, mais en tant que femme, en tant que mère. Est-ce que le livre de Pistelo vous a bouleversé ou non ? Il m'a touchée, oui. Ah. Il m'a touchée de voir un enfant qui se retrouve dès la naissance sans maman. Oui. Voilà, parce que je crois qu'une maman, on en a besoin toute sa vie. Surtout, bien sûr, je sais que maintenant, les papas s'investissent énormément. Ils peuvent s'occuper aussi des tout petits bébés, aussi bien que des mamans, que des femmes. Mais une maman, c'est rien que ce mot. C'est tout, quoi. Oui, merci voilà. Beaucoup. Et je voulais juste dire à Noël Ramatakoudia que, vous savez, il n'y a pas de meilleur compliment et de plus grande satisfaction que ce que vous venez de dire de mon roman. Bravo! À vendre, c'est le retour des lecteurs, d'autant plus quand c'est un critique de vous, voilà. De haut niveau aussi. De haut niveau. Ah, bien sûr. Tout à fait, j'apprécie particulièrement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait... Mais qu'est-ce qui fait que votre livre bouleverse tant ? Est-ce que c'est le contenu ou la forme ? Je dirais que c'est la forme du livre. Parce que j'ai utilisé un style très particulier. Parce qu'il faut le rappeler que mon engagement, je l'ai pris auprès de la jeunesse, qui aujourd'hui passe beaucoup plus de temps sur les nouvelles technologies qu'à se cultiver davantage. Voilà pourquoi je me suis décidé d'écrire un roman avec le français très facile, compréhensible, sans utiliser de dictionnaire. Parce que c'était, je le voyais souvent au collège, que ce soit au lycée, des collègues de classe qui se plaignaient de la complication des mots qui se trouvaient dans des ouvrages. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer un style simple où tout le monde peut se retrouver sans,
sans vraiment avoir un style particulier de livre. Voilà. Vous avez lu le poème de Soigneux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'a inspiré une grande tristesse. J'en ai eu des larmes. Parce que c'est vrai que je veux faire référence au film que j'ai vu quand j'étais en classe de 3e au collège, donc la rafle. C'est un film qui m'a beaucoup touché, durant lequel j'ai découvert cette histoire donc, des Juifs. Donc ce vélodrome où ils étaient dans des conditions vraiment misérables et dramatiques. Donc je qualifierais même cet acte de barbarie. Et je trouve que c'est vraiment très... je sais que M. Michael Soigneux rend hommage à ces milliers de victimes qui ont péri durant cette période. Et je dirais encore merci à lui de dénoncer ces choses. Merci. Michael Soigneux. Vous savez, tous les écrivains ont une interprétation lorsqu'on lit un livre ou bien un poème. Quelle est la vôtre par rapport au recueil de Noël et Ramata Kolia, les 7 nouvelles? Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt à 2 reprises le recueil de nouvelles. L'analyse que j'en tire, c'est à la fois une analyse sociologique. Oui. Dans la forme et dans le fond, votre recueil de nouvelles m'a fait penser au texte épistolaire de Montesquieu, Les Lettres persanes, où des persans arrivent à Paris pour décrire un peu les coutumes, les us et coutumes sur Paris. Et là, effectivement, on a avec cette thématique de la diaspora congolaise sur Paris, effectivement, cette thématique, ce leitmotiv du métro-boulot-dodo dans les nouvelles. On a toute une démarche sur l'existentialisme. Je retrouve dans votre écriture le style d'un écrivain sur lequel vous avez écrit, Claude Simon, le nouveau roman dans la forme, et dans le fond, profondément, une écriture un peu proche de celle de Sartre ou Camus sur la question de l'existence humaine, avec notamment le texte qui a été lu tout à l'heure sur le vide en permanence, où on se pose toujours des questions sur que faisons-nous face à une ville labyrinthique, face à une société que nous ne maîtrisons pas. Comment s'insérer dans une société nouvelle, un pays nouveau, comme tous ces Congolais qui arrivent dans vos nouvelles, sur Paris, qui est cette grande capitale labyrinthique dans laquelle on se perd, dans laquelle on rentre dans une forme d'apprentissage, au même titre que les romans d'apprentissage du 19e siècle. Donc pour synthétiser, je dirais à la fois des nouvelles qui sont dans l'ordre un peu d'une forme de roman, d'écriture, d'initiation, d'apprentissage, une forme de critique un peu sociologique sur s'insérer dans une société nouvelle et en même temps une sorte de culture du respect de l'autre dans sa différence. Voilà un peu l'interprétation. Donc vous êtes satisfait? Tout à fait, oui. Bien, pour terminer notre émission, avant de terminer notre émission, nous allons passer à la dernière rubrique, les nouveautés. Vous savez, nous sommes déjà en été, et en été, c'est la période idéale pour la lecture. Il faut lire pendant l'été et relire ce que vous avez déjà lu, parce que vraiment, c'est le moment idéal. Donc, je vais vous présenter les nouveautés. Un aller simple pour grâce de Gisèle Meunier. Donc, tout à l'heure, ceux qui veulent se le procurer, vous allez le voir pendant la collation, elle a ramené quelques ouvrages. Donc, nous avons aussi Drôle d'histoire france-africaine de Noël Ramata Kolia. Tiens, encore quelques nouveautés. Anthologie analytique de la nouvelle génération des écrivains congolais aux éditions Cécile Langlois. Voilà, ça vient de sortir à peine. Et malheureusement, je n'ai pas le roman de Chris Kibelo. Il a oublié ses romans, c'est pas grave, ça arrive. Bien, mais auparavant, Noël et Ramata Kolia avait publié Au-delà des mots. Vous pouvez aussi le trouver dans les librairies. Et Philippe Daniel Aloto, Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. Ça aussi, vous pouvez vous le procurer. Donc, on va se quitter. Mais avec un mot, ça sera la tradition désormais dans cette émission. Chaque intervenant doit dire un mot français qu'il aime et qu'il a marqué. On va commencer par vous.
Michael Soigné, quel est le mot français qui vous a marqué ou bien que vous aimez le plus? Je dirais le mot partage. Je dirais même les deux mots passage-partage. Parce que lorsqu'on échange, lorsqu'on écrit, lorsqu'on partage sur la lecture, l'écriture, les deux mots passage-partage, c'est ce qui nous unit tous finalement. Voilà, nous sommes dans le passage-partage, dans cette sorte de trait d'union entre l'écriture et la lecture. Voilà, c'est ce qui nous unit tout simplement. Non, partage. Et pour Noël Ramatakodia, c'est le mot exquise. Esquisse. Parce que la lecture et surtout l'écriture devient quelque chose de beau. Et surtout quand on entre dans un roman comme celui qui vient de lire, le roman de Gisèle Meunier. Parce que esquisse. Et vous, Gisèle Meunier, vous avez le micro, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez le micro. En ce moment, dans mon état d'esprit, c'est sincérité. Sincérité. Voilà le mot qui a été retenu par Gisèle Meunier. Inclus Kibelo, c'est quel est votre nom, le mot que vous avez mot moi, le mot français que j'aime le plus, je dirais, c'est la détermination. Donc, pour moi, la détermination, c'est la clé de tout dans la vie. Quand on est déterminé, peu importe les obstacles qu'on peut avoir dans la vie, peu importe les motivations qu'on a, on peut toujours aller bouleverser les montagnes pour atteindre notre but et notre objectif dans la vie. Allez ! Et moi, le mot que j'ai retenu, c'est justice. Bien. Chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Et je vous fixe rendez-vous le 22 septembre 2018 dans cette même salle où j'aurai comme invité Philippe Daniel, comédien-écrivain, Sandrine Roignon, comédienne, Sylvie Bonafi, poète qui fait partie de la Société des poètes français, et Mona Bouffès. Et nous aurons deux intervenants qui viendront animer les intermèdes musicaux. Ce sont les frères Makwaya. Donc, chers téléspectateurs, l'émission est finie. Vous restez un moment parce que nous allons nous retrouver dans l'autre salle pour la collation. Et maintenant, mes caméramans vont vous filmer pour la dernière fois pour avoir un beau décor. Et je vous souhaite bonnes vacances.